Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour vous montrer ce que j'ai pu acheter au mois d'octobre chez AliExpress. Donc, je n'ai pas tout ici, il me manque encore 4 articles, mais on le sait, hein, avec AliExpress, comme tous les sites chinois, de toute façon, ça prend un petit peu de temps, hein. Donc, voilà ce que j'ai fait. Je me suis concentrée essentiellement sur Noël. C'est, on va dire, ma période préférée. Donc, j'ai plein, plein, plein de projets. Donc, ben, fallait que je m'équipe. Donc tout d'abord, j'ai acheté ces embellissements bois de sapin. Voilà, il y en a 9 différents et à chaque fois déclinés en 3 exemplaires. Donc ça, c'était à 2,60 €. Ça, je vous montrerai après. Ensuite, j'ai acheté pour 1,37 € ce set de dies. Je vais vous l'ouvrir. Donc ce sont, excusez-moi pour le bruit, des flocons de neige. Donc celui-ci qui permet de faire deux découpes, puisqu'on a le flocon là, mais on a également l'intérieur là qui nous fait une découpe qui est très jolie. Celui-ci, flocon très classique, hein. Celui-ci. Et le petit dernier, voilà. Donc je rappelle, hein, je n'ai que la décoratrice de toga, donc tous ces dies passent dans la décoratrice. Voilà. Autre combo de dies, c'est ceci pour faire des étiquettes ou des tags. Donc à 2 euros. Donc, je vous ai donné le prix, je sais plus. Donc, ceci pour 2,06 €. Donc, on a le grand pour faire le tag. Celui-ci pour ou découper à l'intérieur du tag. Voyez, comme ça. Permet aussi de faire des shakers, très intéressant. Ou tout simplement pour un cadre, hein, un rectangle. On a, je vais prendre comme ils viennent. Celui-ci qui permet de faire des trous dans le en bas du tag ou sur n'importe quelle autre création. Ces deux-là qui sont très intéressants, donc le rond ou la petite bannière. En fait, là, vous avez de quoi plier, ce qui vous permet d'avoir un rabat comme ceci sur le haut de votre tag, donc le rond, et ça se replie derrière. Ou alors celui-ci très joli aussi avec le cœur. Ou alors vous les utilisez autrement. Moi j'avais pensé aussi pour fermer mes petits sachets quand je fais des échanges, garder le haut et avec voilà, ça peut être très 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 bien. Nous avons ceci pour faire une petite bordure, petite voilà, une petite bannière, une petite bordure avec des vagues. Et pour agrémenter votre tag, deux petites fleurs et les feuilles. Voilà, qu'on peut superposer ou non, à la guise, à la créativité de chacun. Donc pour 2,06 €. Je me suis acheté également cet ensemble. Alors comme ça, vous voyez pas ce que c'est, pour 1,48 €. Ce sont des pochoirs. Alors pour 1,48 €, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 planches de pochoirs. Je vais vous montrer ce qu'ils représentent. Donc voilà. Thinking of you. Voilà, c'est sur l'amour. Beaucoup l'amour familial, hein. On voit là la maman avec la petite fille. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, si vous voyez ce que c'est, dites-le moi. Trompette, non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, petit nœud. Celui-ci. Alors, toutes les écritures disent Happy New Year. Donc, c'est pour la nouvelle année. Avec des feux d'artifice, là aussi. Des petites bandes, des petites frises. Un très simple
que je vous mets dans le bon sens. Je ne sais plus. Quatre comme ça. Voilà. Donc, avec les chiffres et les lettres. Mais également, donc, cette paire de ciseaux, pourquoi pas, hein, pour dire, faut découper ici. Voilà. Et les symboles classiques. On a un petit crayon, des flèches, le petit pouce en bleu, d'ailleurs, en haut. Hein, donc, si vous voulez mettre un petit pouce en haut, voilà. Des animaux. Girafe, lion, singe, zèbre. Et j'aime beaucoup cette frise-là qui peut servir de règle. Donc pour faire un petit décor au stylo, peut-être pas mal. Toujours des animaux, mais cette fois-ci des insectes et puis une colombe, un petit lézard. Et toujours cette règle crantée pour donner un effet timbre. Plus pour l'été, là nous avons des coquillages. Toujours sur le thème de la mer. Donc une ancre, les oiseaux, je ne sais plus comment ça s'appelle, une barre de navire. Là nous avons un hippocampe. Voilà, une petite rose des vents. Encore sur la mer, bon, c'est plus trop la saison, mais je les aurai pour l'année prochaine. Donc, palmiers, les tongs, sea life. Voilà, parasol. Quelque chose un peu plus printanier. Donc là, avec un trèfle à quatre feuilles, ça peut être du lierre. On a plusieurs trèfles, des cœurs. Et en plus, ils sont assez rigide, assez plastifié, donc je pense qu'on peut les utiliser avec de la pâte de texture aussi. Comme c'est du plastique, ça se nettoie très facilement. Ensuite, quelque chose d'automnal, voilà, des champignons, des escargots. Encore la frise crantée. Bon, vous voyez, hein, tout n'est pas parti, mais bon, ça s'en va facilement. Et pour la saison qui m'intéresse le plus en ce moment, pour Noël. Voilà, donc les rennes. Voilà. Là, on fait le sapin en famille, les petites moufles, petites bottes, chaussettes, les cadeaux. C'est marqué Merry Christmas. Voilà, très très joli celui-là. Et mon préféré, j'avoue, celui-ci avec, bon, on va le mettre, je vais vous le mettre comme ça, les boules de Noël. Voilà. Avec toujours un beau cœur, une jolie frise. Vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. 1,48 € pour ces 12 pochoirs. En plus, ils sont d'assez bonne qualité, donc très contente. Enfin, des tampons. Donc, j'ai ceci à 1,57 €. Donc, attendez, je vais vous montrer comme ça, vous verrez mieux. Donc, ce sont des écritures en français. Journée mémorable, amour profond, émotion intense. Joie partagée et instant précieux. Voilà, et ce cœur-là qui est plein de rempli de fleurs. Voilà. Donc ça, c'était moins Noël, mais bon, et encore, hein, quoique. Et celui-ci aussi, alors c'est pour Noël. Donc on retrouve, donc pour 1,37 €, Joy, le cœur, un zigouigoui. Là, c'est Merry Christmas and Happy New Year. Il est très très fin, très joli. Une boule de Noël, un sapin. Ho ho ho, pour ceux qui veulent faire le Père Noël. Par contre, c'est rattaché au bois de Rennes. Hein. Donc là, on a. Alors, c'est du gui, mais c'est trois points avec des plumes. Donc, on peut même recycler si on veut faire que la plume, pourquoi pas. Des boules de Noël en flocons, des flocons de neige, du houx. Un renne et puis encore du houx ici en guirlande, très très joli. Et pour terminer, donc ce papier pour 2,29 €, parce que je ne trouve pas de papier de Noël chez Action, donc j'avais pris de l'avance. Je me suis acheté, alors par contre, j'ai pas le grammage, c'est du recto seulement et il n'y a qu'une page à chaque fois. Donc là, on a les roses de Noël.
Là, c'est des villages, un petit village de Noël, des maisons dans les collines, sur un ton bleu clair. Des petits lutins, des petits cochons aussi. Là, ce sont des lapins de Noël. Des fleurs, des oiseaux, des cœurs. Donc c'est du papier 15 par 15. Des petites lanternes. J'aime beaucoup ce bleu. Alors une feuille que j'aime un peu moins, mais qui peut très bien aller en fond. Un petit motif écossais. On retrouve nos lapins, mais avec d'autres couleurs. Donc la beige. Toujours ces petites maisons, mais cette fois-ci sur fond rouge. Les lanternes sur fond blanc. Là, les flocons de neige. Et on retrouve nos petits lutins, mais sur un fond bleu foncé. Voilà, c'est tout pour ces achats de ce mois d'octobre. Bon, cette fois, je vais avoir plein de choses à faire. Il va falloir que j'utilise tout ça. D'ailleurs, si vous avez pu voir un peu, j'ai commencé, puisque je ne vais pas laisser ces embellissements nus. Voilà. Je vais les embosser, puisque j'ai la poudre d'action, plus d'autres que j'ai achetées à côté. Donc, je vais pouvoir les embosser pour agrémenter sur mes créations. Bon, j'espère que tout ça vous a plu. Si jamais vous voulez racheter les mêmes choses que moi, je vous mets de toute façon dans la barre d'infos toutes les coordonnées des produits. En sachant que certains produits, j'ai vu, vont être baissés en prix pour le 11-11, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, le 11-11, c'est une date assez précise, du moins pour AliExpress, où ils font des réductions. Déjà que ce n'est pas très cher, et là, ça va être encore moins cher. Donc, attendez peut-être, ça doit se passer entre le 10 novembre et le 12 novembre, je crois. Faudra regarder les dates sur le site. Mais voilà, donc on peut avoir des réductions très intéressantes. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et puis bon scrap! Coucou, je reviens rapidement car j'ai oublié de vous présenter ces trois achats que j'ai faits également. Ce sont des washi, donc assez large comme vous pouvez le voir, donc sur le thème de Noël. Donc celui-ci avec différents animaux. Voilà. Celui-ci avec essentiellement, vous voyez, des lanternes, dans les tons bleus, des rennes. Voilà, donc ces deux-là, je les utilise pas comme du washi classique, c'est-à-dire que je ne fais pas des bandes sur mes créations, mais je les colle sur des cardstock et je les détourne pour me faire des die-cuts. Voilà. Et celui-ci qui est vraiment magnifique, comme vous pouvez voir, donc c'est un paysage de sapin enneigé, tout pailleté, entièrement pailleté. Il y a une sacrée épaisseur quand même de washi, donc il y a de quoi faire. Il est sincèrement magnifique. Voilà, c'était mes oublis pour cette fois-ci. J'espère que ça ne se reproduira pas. Et puis, bah, à bientôt. Bisous, bisous.